Afrique des libertés, je vous salue. Soutiens au peuple guinéen. Soutiens à l'Afrique de Guinée en lutte contre la présidence Abi. Soutiens à l'armée républicaine guinéenne en lutte contre la présidence Abi. Soutiens aux Guinéens éveillés, aux Guinéennes éveillés. Contre les présidents à vie de la France-Afrique. Soutien au peuple guinéen contre la dernière tentative de manipulation du représentant régional de la France-Afrique, Alassane Dramane Ouattara. Voici venue l'heure de la réaction du serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains à l'actualité du jour en Guinée-Conakry. Je vous salue. Protégez cette émission, partagez cette émission. Afrique des libertés, je te salue. À Conakry, à Kindia, je te salue. Guinéenne, Guinéenne. Je te salue à travers toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est. Je te salue, diaspora. Je vous salue, amis européens, amis américains, amis asiatiques, des luttes africaines pour la liberté. La Guinée-Conakry est au cœur de notre actualité. Un satrape reptilien vient de connaître la limite de son projet de destruction des libertés d'un grand pays, de notre terre africaine. Je vous l'avais dit, les viols constitutionnels ouvrent la voie à tous les autres viols. Je le disais hier, et aujourd'hui vous avez un capacité offert par la situation guinéenne. Oh tristesse, oh souffrance de la vie. Les images sempiternelles de ces chefs d'État qui ne se rassasient jamais du pouvoir et qui conduisent leur pays de viol en viol, de déstabilisation en déstabilisation, conduisent leur pays aux enfers et aux abîmes. Bienvenue, partagez cette émission. Afrique des libertés, il ne faut pas désespérer. Malgré la tristesse de ce qu'on voit, l'espoir est permis. Ata, Nadege, Jojan, Akaraï, Mayabé, Oli, Libé, Melody, Soubo, Yé, Yon, Oli, Jojan, Yoba, Melody, Soubo, Yé, Akaraï, Mayabé, Oli, Libé, Ata, Nadege, Jojan, Akaraï, Peuple guinéen, ton heure est venue.
Guinéenne, Guinéen, Africaine, Africain, amis européens, amis américains, amis asiatiques des luttes africaines pour la liberté, diasporas africaines, le serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains vous salue. En ce jour du dimanche 5 septembre 2021, il nous a tous été donné de voir depuis plusieurs heures les images tristes, les images navrantes qui nous viennent de la Guinée-Conakry, du pays de l'Almami Samori Touré, la Guinée-Conakry, le pays de Diallo Télé, la Guinée-Conakry, le pays de Karim Fofana, la Guinée-Conakry, le pays qui dit non en 1958 à l'indépendance sous haute surveillance, l'un des pays les plus riches au monde en potentiel. Et malheureusement, l'un des peuples les plus appauvris de la planète en raison des déstabilisations structurelles successives subies dans ce territoire. Oui, vous êtes 873 personnes actuellement ici sur Facebook. Faites 873 à 880 partages. Vous êtes 617 personnes sur YouTube. Pour ne pas laisser perturber mon intervention, faites 600 partages et allez sous chacune de ces vidéos ici, sous Facebook Franklin Yamsiwa Cameroun, là, sur YouTube Franklin Yamsiwa Cameroun, validez le pouce levé, intrépide internaute citoyen, pour entendre la réaction du serviteur des pains spirituels de la liberté, réaction que vous me demandez depuis plusieurs heures à propos de l'actualité guinéenne. J'ai répondu tout à l'heure que si vous étiez pressé de me voir réagir à cette actualité, moi j'étais pressé de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui se passe à Conakry avant de commencer prudemment à m'exprimer. Car les questions politiques, et notamment celles qui sont en rapport avec les coups de force, exigent la plus grande circonspection, la plus grande prudence. Vous avez donc sans doute vu les images de M. Alpha Condé pieds nus, posé sur un canapé, débraillé dans une chemise ouverte à la poitrine, encerclé de militaires armés jusqu'aux dents, dont la taille moyenne est au-dessus d'un mètre 90, selon certaines évaluations. Vous avez vu M. Alpha Condé, auteur d'une énième violation de la Constitution de la République de Guinée, auteur d'une usurpation, s'étant octroyé par des voies fallacieuses un troisième mandat à la tête de la République de Guinée. Les images qui font le tour du monde montrent M. Alpha Condé arrêté par des militaires de l'armée africaine de Guinée. Ces images montrent un président illégal et illégitime ramené à sa plus stricte expression, celle d'un citoyen délinquant, qui plus est, celle d'un citoyen criminel qui a assassiné son peuple uniquement parce qu'il voulait se maintenir à tout prix au pouvoir. Alpha Condé, grand opposant autrefois devant l'Éternel, grand pourfendeur des dictatures de Guinée, sous les présidents Ahmed Sékou Touré et Lansana Conté, grand pourfendeur de la junte du capitaine Dadis Camara et du général Sékouba Konaté. Et oui, cet Alpha Condé parvenu au pouvoir
devait trahir les Africaines et les Africains de tout pays qui crurent en lui. Il devait trahir, qui plus est, le peuple souverain de Guinée en entourloupant, en manipulant, en tripatouillant, en cafouillant, en violant, en transgressant, en profanant la constitution du peuple guinéen pour imposer le retour à la dictature là où on pensait qu'il incarnerait la sortie du cycle dictatorial guinéen. Cette Guinée qui a connu le camp Boiro, où moururent quelques-uns des plus grands fils de l'Afrique. Cette Guinée qui a connu une succession de descentes aux enfers. Cette Guinée a cru un tant soit peu en Alpha Condé, professeur de formation, avoir quelqu'un qui ne reviendrait pas consommer le vomi de ses prédécesseurs, faire pire que ce qu'il avait précédé. Hélas, l'Afrique est humiliée ce dimanche 5 septembre 2021, car c'est encore d'Afrique que viennent des images d'un chef d'État dépenaillé, débraillé, pieds nus, un chef d'État devenu chef d'État et restitué à la plus stricte expression de l'indignité civilisationnelle, de l'infortune politique. Un chef d'État devenu chef d'État est maintenant assimilé et assigné à résidence surveillée, qui passe ainsi du palais présidentiel à la prison résidentielle. Ces images n'ont échappé à personne. J'imagine que comme moi, vous avez eu du mal à croire que c'était bien lui, l'immense, le brillantissime, l'excellentissime Alpha Condé. Là, assis sur ce canapé ordinaire, pieds nus, là, répondant vaseusement aux questions des militaires, de ses propres forces spéciales qui l'arrêtent et qui lui demandent de vérifier qu'eux, ils sont plus humains que lui, car lui, il a donné à ses militaires des ordres de tuer le peuple guinéen et des Guinéens furent tués, de massacrer l'opposition guinéenne, incarnée notamment par le leader Sélou d'Alain Diallo, et des opposants guinéens furent tués. Ces mêmes militaires qui obéirent un tant soit peu aux ordres criminels d'Alpha Condé, on les voit se retourner aujourd'hui contre lui et lui dire: Monsieur le Président, Excellence, car il le lui donne encore, au nom de son passé présidentiel, vous voyez très bien que nous ne touchons pas à un seul de vos cheveux. Vous voyez très bien que nous vous traitons bien. Autrement dit, nous vous traitons mieux que vous n'avez traité les Guinéens qui ont tenté de protester contre le viol de la Constitution guinéenne. Hier, 4 septembre 2021, sur ces mêmes réseaux Facebook et YouTube, le serviteur des pains spirituels La Liberté délivrait pour l'Afrique des Libertés une conférence sur le lien entre le viol constitutionnel et tous les autres viols, expliquant que partout où les constitutions sont violées, eh bien c'est la boîte de Pandore qui est ouverte. C'est la descente aux enfers de tout peuple qui est ouverte dès lors que sa loi fondamentale est violée. J'avais donné un parcours d'expérience partant de la République démocratique du Congo, du Tchad, du Cameroun. J'avais donné l'exemple de la situation en Côte d'Ivoire, entre autres pour illustrer la descente aux enfers de nations entières dès lors que leur loi fondamentale, leur poteau mitant, leur référence, leur boussole, leur constitution sont violées. Je l'ai dit hier, 4 septembre 2021, et je crois que cette conférence fut appréciée. Voici que le 5 septembre 2021, vous avez un cas supplémentaire des conséquences du viol fondamental de l'ordre politique, le viol constitutionnel. La porte ouverte à toutes les aventures.
la descente aux enfers d'une nation, d'une république, d'un pays, d'un peuple. C'est ce que nous voyons dans les images. Humiliante pour toute l'Afrique, humiliante pour la Guinée, humiliante pour l'espérance africaine d'un président qui n'a pas su quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. Alpha Condé. Alors, on me demande quelle est la réaction que m'inspirent ces images. Je commence par dire que ces images ne me surprennent pas du tout, parce que, d'un point de vue théorique, idéologique, j'étais déjà préparé à l'idée que tous ceux qui violent les constitutions s'exposeront d'une manière ou d'une autre à finir comme Alpha Condé, si ce n'est eux, du moins leurs successeurs. Je recommence. Première réaction. Tous ceux qui violent les constitutions, c'est-à-dire les lois fondamentales de leur pays, s'exposent, si ce n'est eux, du moins leurs héritiers, à finir comme Alpha Condé. Et que même si par impossible, Alpha Condé réussissait à renverser la vapeur et à reprendre le dessus à Conakry, cela ne change rien au fait que la nature profonde d'un régime illégal et illégitime comme celui d'Alpha Condé, c'est de conduire tôt ou tard aux images que nous avons vues aujourd'hui. Quand vous avez bâti un immeuble sur le sable, peu importe le temps que cela prendra, il s'effondrera avec des conséquences effroyables pour les habitants de l'immeuble, y compris si le propriétaire de l'immeuble a entre-temps disparu. Car tout ce qui est fondé sur des racines fragiles est condamné à périr et à ne pas s'inscrire dans l'immortalité, encore moins dans l'éternité. Vous êtes 1645 personnes à suivre cette conférence sur YouTube. Faites 1645 validations du doigt levé sous la conférence pour empêcher les machines ennemies de nous interrompre. Vous êtes environ 1600 personnes à nous écouter sur Facebook. Faites 1600 partages et allez sous la vidéo appuyer 1600 fois sur le pouce levé pour nous protéger de ceux qui veulent nous interrompre. Deuxième réaction. Après la déclaration des militaires qui se sont emparés du chef d'État illégal et illégitime, Alpha Condé, on voit bien que cette déclaration affiche ce qu'on appelle des intentions nobles, l'idée de mettre en place une transition en vue d'amener le peuple souverain de Guinée à choisir librement ses dirigeants, ce qui aurait dû être fait si M. Alpha Condé, alors président de la République légale et légitime, avait respecté la loi. Donc, ma deuxième réaction consiste à dire, a priori, on ne peut que considérer cela comme étant un acte qui va dans le sens des intérêts du peuple guinéen, à condition que le peuple guinéen, tout le peuple guinéen dans toute sa diversité, soit librement associé à la transition de redressement et de fondation de l'état de droit guinéen. C'est-à-dire que ce que les militaires de la jeune guinéenne ont dit aujourd'hui n'a de valeur que si le processus politique qu'ils veulent ouvrir est un processus inclusif, un processus transparent, et que si eux, les militaires, dès maintenant, donnent toutes les garanties qu'ils ne veulent pas installer une dictature militaire en remplacement d'une dictature civile. Donc, ma deuxième réaction est un acte de prudence. L'Afrique nous a beaucoup appris que les militaires, le jour où ils prennent le pouvoir, sont souvent de bonne volonté. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Mais attention, quel est le contenu qu'ils donnent à cette prise de pouvoir? Tout le monde n'est pas Amadou Toumani Touré. Tout le monde ne fait pas partie de ces militaires qui savent se détacher du pouvoir pour servir le peuple et mériter peut-être plus tard la confiance et l'amitié du peuple. On le voit un peu partout. On a vu des militaires faire des déclarations point pour point similaires et par la suite vouloir s'accrocher au pouvoir, faisant basculer ainsi nos pays africains de la dictature civile à la dictature militaire. Moi, Sissi Kouniamsiwa Cameroun, j'appelle nos frères et sœurs de l'armée guinéenne qui ont déposé le président illégal et illégitime, Alpha Condé, à donner tous les gages
de mettre en place une transition civile, avec bien sûr la participation de l'armée, une transition équilibrée pour doter résolument la Guinée d'un état de droit et d'une démocratie exemplaire, et afin que la Guinée soit gouvernée librement, pacifiquement, exemplairement, par des dirigeants choisis par le peuple guinéen. C'est ma deuxième réaction. Mais maintenant, j'ai une troisième réaction. J'ai une troisième réaction, et là, c'est une information que je vous donne. Les informations qui me sont parvenues dans la journée me permettent de dire que M. Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien qui trouble actuellement la paix du peuple ivoirien parce qu'il a usurpé la présidence de la République après avoir violé la constitution de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara a organisé à travers ses deux sicaires, ses deux sbires méphistophéliques, Tene Birahima Ouattara, le ministre de la Défense d'Alassane Ouattara, et le colonel Kone Zakaria, le plus idiot des colonels que l'armée ivoirienne ait jamais eu. Ces trois individus, Alassane Dramane Ouattara, Tene Birahima Ouattara et Kone Zakaria, très tôt, dans la nuit d'hier donnant aujourd'hui, ont voulu lever des avions de guerre pour assister Alpha Condé afin qu'il fasse face à la révolte, à la rébellion de son armée. Je recommence. Alassane Dramane Ouattara, très tôt, dans la nuit d'hier donnant aujourd'hui, a mobilisé les troupes ivoiriennes, l'aviation de guerre ivoirienne, pour tenter de voler au secours de celui qu'il considérait comme son complice, Alpha Condé. Car Alassane Dramane Ouattara ne le cache pas, il se présentait comme le conseiller économique d'Alpha Condé, et Alpha Condé lui-même, dans un certain nombre de milieux, se présentait comme étant le conseiller politique d'Alassane Ouattara. Ainsi, les deux satrapes se tenaient, pour ainsi dire, par la barbichette et se conseillaient et se soutenaient mutuellement. Très tôt donc ce matin, M. Ouattara engageait l'armée ivoirienne a volé au secours d'Alpha Condé. Devant la détermination des forces spéciales et la rapidité de leur action, s'emparant en un temps record du corps physique de M. Alpha Condé, Alassane Dramane Ouattara est en train de faire actuellement volte-face avec son Tene Birahima Ouattara alias La Fiole et avec le colonel idiot Kone Zakaria, et ils veulent flatter la nouvelle junte guinéenne en lui proposant leur assistance. C'est ma troisième réaction. J'appelle le colonel Doumbouya et tous les militaires guinéens qui ont décidé de déposer le chef d'État illégal et illégitime, Alpha Condé, le dictateur Alpha Condé, je les appelle à se méfier comme de la peste et du choléra, comme du sida, de l'approche d'Alassane Dramane Ouattara. L'expérience sous-régionale a montré que tous les hommes politiques impliqués dans des transitions en Afrique de l'Ouest, qui ont été approchés par Alassane Ouattara et qui lui ont tendu malencontreusement l'oreille, ont fini droit dans le mur. C'est ainsi que devait finir le capitaine Dadis Camara. C'est ainsi que devait finir le capitaine Haya Sanogo. C'est ainsi que commence à flancher le colonel Assimi Goïta. C'est ainsi qu'a mal fini le lieutenant-colonel devenu rapidement général Yacouba Isaac Zida. Je viens de citer trois pays dans lesquels des militaires qui devaient se mettre au service du peuple, ont tendu l'oreille à Ouattara et ont fini dans le décor. Alassane Dramane Ouattara, qui voulait s'associer très tôt dans la nuit d'hier donnant à aujourd'hui pour massacrer le peuple guinéen et l'armée guinéenne aux côtés des derniers éléments fidèles à Alpha Condé, le même Alassane Dramane Ouattara, subitement voyant qu'Alpha Condé ne tient pas face à la charge
de cette troupe spéciale, le même Alassane Draman Ouattara fait volte-face et tente de trouver le contact du colonel Doumbouya pour le mettre, pour ainsi dire, sous son contrôle. Et là, j'appelle les frères, les sœurs de l'armée africaine de Guinée. J'appelle le peuple guinéen à veiller comme du lait sur le feu, sur la transition politique qui pourrait s'ouvrir à compter de maintenant dans ce pays. En veillant surtout à ce qu'il y ait un individu qui n'y mette pas les mains, qui n'y mette pas les pieds, le plus nocif des satrapes reptiliens de la France-Afrique, Alassane Draman Ouattara. Je suis toujours au troisième point de ma réaction. Et là, c'est une information que je vous donne. C'est ce qui a expliqué que j'ai été prudent. Il y a pratiquement 3 ou 4 heures de temps que beaucoup d'entre vous m'assaillent pour me demander de parler. J'essayais de recouper les informations. J'ai essayé depuis plusieurs heures d'entrer en contact avec le leader de mon mouvement, de notre mouvement en Côte d'Ivoire, Génération et Peuple Solidaire, le président Guillaume Kibafouri-Soro. Je voulais à tout prix entrer en contact avec lui pour pouvoir échanger sur cette actualité africaine brûlante avant de pouvoir m'exprimer. Malheureusement, je n'ai pas pu. Mais je voudrais dire ici que dès que j'aurai le président Guillaume Kibafouri-Soro en ligne, je vais l'appeler à soutenir le peuple guinéen afin qu'il y ait une transition démocratique en Guinée. Je vais l'appeler à soutenir tous nos frères et sœurs des forces vives de la Guinée qui ont pris fait et cause pour le peuple guinéen de telle façon que la Guinée puisse être l'un de ces premiers pays d'Afrique de l'Ouest à sortir de l'emprise des présidents à vie. Je mobiliserai toute ma capacité argumentative lorsque j'aurai le président Guillaume Kibafouri-Soro au téléphone. Et je suis convaincu que je serai capable de le convaincre de soutenir le peuple guinéen, de soutenir la résistance citoyenne guinéenne, d'appeler l'armée africaine de Guinée à protéger le peuple et à accompagner la fondation d'une authentique démocratie, d'un authentique état de droit en Guinée. Est-ce que c'est clair? J'espère que là, c'est très clair. Car il me paraît essentiel que la Guinée soit l'un des pays d'avant-garde de la fin des présidences à vie en Afrique. Dans notre combat continental, nous voulons la fin de la domination néocoloniale de l'étranger sur le sol africain et par conséquent le retrait des armées néocoloniales françaises du sol africain. Nous voulons le retrait de la monnaie néocoloniale française d'Afrique, le CFA. Et nous voulons la fin des dictatures. Or, qui dit dictature dit présidence à vie. Par conséquent, dans le cas de la Guinée, tout véritable leader africain, tout véritable intellectuel africain, tout véritable Africain, toute véritable Africaine amoureux de la vérité et de la justice que nous ont transmis comme une flamme, comme un flambeau nos ancêtres, ne peuvent que soutenir le juste combat du peuple guinéen contre la présidence à vie d'Alpha Condé. Le juste combat du peuple guinéen pour ne pas passer d'une dictature civile à une dictature militaire. Le juste combat du peuple guinéen pour enfin mériter d'un état de droit et d'une démocratie qui soit la manifestation de ses propres valeurs. Telles sont, mes chers amis, les réactions essentielles que je voulais donner à chaud sur ce qui se passe. Ce que je le dis sous réserve de voir le comportement des militaires guinéens qui viennent de prendre en main la situation à Conakry. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas tenter de faire passer le peuple guinéen d'une dictature civile à une dictature militaire. Car toutes les dictatures, qu'elles soient civiles ou militaires, finissent toujours mal. J'espère pour eux qu'ils n'entendront pas le chant des sirènes ouattariques de Côte d'Ivoire, qu'ils n'entendront pas la chanson des démons
les Ouattara de Saint-Doux qui tiennent le peuple ivoirien en otage. J'espère pour eux, les militaires, et je m'adresse ici au colonel Doumbouya, qu'ils ne vont pas se mettre au service d'une puissance néocoloniale, fussent-ils des anciens soldats de cette puissance, contre le peuple guinéen, car tout cela portera en ce 21e siècle malheur. Malheur à ceux qui trahissent les peuples africains. Malheur à ceux qui trahissent les aspirations légitimes des Africaines et des Africains à la dignité, à la vérité, à la justice. Car ça fait maintenant plus de 5 siècles que l'Afrique est le paillasson du monde. Que l'Africaine et l'Africain sont traités comme des détritus sur la surface de la terre. Nos ancêtres angélisés ont décidé de nous redonner une chance par la grâce du Tout-Puissant, et tous ceux qui s'acharneront à humilier les peuples les plus anciens de l'humanité connaîtront l'effet boomerang sur lequel médite ce soir, quelque part en Guinée-Conakry, Monsieur Alpha Condé. Monsieur Alpha Condé qui se trouve désormais au village de Si Je Savais et qui n'a pas écouté les conseils des fils de l'Afrique que nous sommes, des filles de l'Afrique, qui du fond du cœur lui ont dit « Deux mandats, monsieur le président, ça suffit. » À 83 ans, vous n'avez pas à vous laisser trimballer par des bidasses. Vous auriez dû prendre une retraite méritée, écrire vos mémoires, conseiller vos cadets. Oui, ce qui se passe aujourd'hui à Conakry est un avertissement sans frais pour tous les présidents autoproclamés à vie, tous les chefs d'État de la France-Afrique et tous ceux qui sont tentés de tripatouiller les constitutions africaines pour imposer leur satrapie reptilienne. Regardez la tête d'Alpha Condé et souvenez-vous que quand on mange la main du singe, on doit faire l'effort de regarder la sienne. Ou Jack Wo aussi, ou Bengere Wo Won. Quand tu manges la main du singe, sois attentif à la ressemblance de cette main avec la tienne. Oh toi, dictateur africain, président à vie autoproclamé, regarde les images de Conakry. Car ces images sont une projection de ton avenir. Si ce n'est toi, du moins tes successeurs, car ce qui est bâti sur du sable finit toujours par être soufflé par le vent. Oui, tremblez, 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 satrape d'Afrique. Tremblez, 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 présidence à vie. Tremblez, 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 puissance qui pensait que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, que l'Afrique ne peut pas faire l'histoire, que les Africaines et les Africains sont des spectateurs impassibles de leur propre vie. Tremblez, tremblez. Il me fallait donc apporter cette réaction et vous me permettrez d'abréger cette intervention parce que moi, il me faut par tous les moyens joindre le président Guillaume Kibafori Soro ce soir pour lui demander d'apporter un mot de compassion de notre mouvement, un mot de compassion au peuple guinéen, un mot de soutien à tous ceux qui vont permettre à la démocratie et à l'état de droit de s'installer vraiment en Guinée. Je crois avoir les mots pour convaincre le président Guillaume Kibafori Soro et je pense que je n'aurai pas besoin d'efforts pour cela, car, eh bien, le progrès du peuple guinéen est le progrès de tous les peuples africains. Tout peuple africain qui brise une chaîne libère en même temps les autres. Et c'est ce que je voulais démontrer. Vive l'Afrique des libertés. Que Dieu bénisse le peuple guinéen. Que Dieu bénisse tout corps habillé de Guinée qui se met au service de l'intérêt général du peuple guinéen. Que Dieu éclaire les dirigeants de la transition guinéenne qui se dressent à l'horizon afin qu'ils n'écoutent pas les démons Ouattara de Saint-Doux, les colons noirs de Côte d'Ivoire
qui ont voulu accompagner l'écrasement eh bien, de la contestation légitime des forces vives de la nation guinéenne. Il faut que tous les corps des armées guinéennes fassent preuve de hauteur, d'abnégation, que le sang guinéen ne coule pas. Il faut qu'il y ait tout de suite une entente sur l'essentiel. Cet essentiel, c'est la mise en place d'une transition politique consensuelle pour aller vers de véritables élections démocratiques avec un cadre constitutionnel exemplaire qui puisse donner à la Guinée-Conakry le statut qu'elle mérite. Car la Guinée-Conakry est l'un des pays les plus riches que la terre ait jamais porté. Et il n'est pas normal que ce pays soit appauvri comme on le voit aujourd'hui. Que Dieu éclaire tous ceux qui ont la capacité d'agir aujourd'hui en Guinée et les amène à renoncer à leurs ambitions personnelles et à se mettre au diapason de l'intérêt supérieur du peuple guinéen. C'est un fils adoptif du peuple guinéen. Sissiku Nyamsiwa Cameroun qui lance cet appel. Militaires guinéens, politiques guinéens, citoyennes et citoyens de Guinée, il faut saisir cette opportunité pour poser la Guinée au pinacle de la modernité politique. Que les uns et les autres renoncent à privilégier leurs ambitions personnelles immédiates et que soit privilégiée la construction d'un cadre de concurrence politique exemplaire et que le meilleur à chaque niveau, la mairie, l'Assemblée nationale, le gouvernement, la présidence de la République, que le meilleur, c'est-à-dire celui que les Guinéens auront préféré ou celle que les Guinéens auront préféré, assume la responsabilité de ce grand peuple d'Afrique, de cette grande terre d'Afrique. Tel est l'appel de votre frère, de votre fils adoptif, le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, en ce dimanche 5 septembre 2021. J'espère que cet appel sera entendu et je compte peser fort auprès de mon leader, Guillaume Kibafori Soro, pour faire entendre une voix du peuple de Côte d'Ivoire en compassion, en solidarité, en soutien à la lutte des Guinéennes et des Guinéens pour un véritable état de droit, une véritable démocratie et pour la fin des présidences à vie en Guinée et partout en Afrique. May God bless us. Nyambe Asaya. Côté, côté, côté. Merci à tous et merci de partager la réaction de votre serviteur. Bien sûr, j'imagine qu'Alassane Dramane Ouattara actuellement sur son lit ou son canapé de semi-malade est en train de dire aux siens « Faites-moi confiance, faites-moi confiance. » Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que
ce qu'il a fait aux Ivoiriens est encore pire que ce qu'Alpha Condé a fait aux Guinéens. Il est allé plus loin dans l'écrasement des Ivoiriens qu'Alpha Condé. Ça, il ne le voit pas. Je vois la satrapie camerounaise, la satrapie gabonaise, la satrapie congolaise, toutes les satrapies du Togo, etc. Je les vois tranquilles, la satrapie tchadienne, ils pensent que ça ne les concerne pas. Or, tout ce qui se passe là, c'est ce qui va se passer nécessairement, si ce n'est aujourd'hui, du moins demain, partout où le pouvoir n'est ni légitime, ni légal. Voilà. Donc, il continue à dire, faites-moi. Tant pis pour ce qui est le Merci à vous mes amis et bon dimanche. Vive l'Afrique.